Bonjour à tous, c'est Materia et bienvenue dans, encore une fois dans les bons jeux selon Materia. Aujourd'hui c'est le World Swing numéro 11 que l'on va faire avec, comme j'avais promis, un jeu PS2. Ben c'est presque ça, puisque en fait il s'agit d'une perle rare en matière de PS2. Mais même en termes de jeux vidéo, c'est vraiment LA perle rare. C'est le genre de jeu où personnellement je tuerais pour en voir plus. Il s'agit de Shadow of the Colossus. Alors je l'avais en version PS2, mais franchement, faut l'avouer, c'est vrai qu'à l'époque il était vachement en avance sur au niveau des graphismes, peut-être un peu trop vu qu'il y avait pas mal de ralentissements et tout. Et finalement, j'ai préféré prendre une version la version remake HD sur PS3 qui passe quand même super bien, aucun ralentissement.
C'est vachement bien lissé, c'est vraiment magnifique, histoire de profiter encore plus de cette expérience. Et ça va être pour moi l'occasion de le redécouvrir un peu, c'est la première fois que je joue sur PS3. Alors, c'est un très grand jeu pour ceux qui ne connaissent pas ou de nom, qui n'ont jamais vraiment vu. Je vous conseille de jeter vraiment un petit coup d'œil, de voir s'il y a quelque chose dans les options ou non. On peut activer la 3D, pas mal. Mode full pixel, je ne sais pas ce que c'est. Je teste un peu les options. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que c'est Shadow of the Colossus? C'est pas le genre de jeu qui peut plaire à tout le monde, car il a une durée de vie quand même plutôt courte pour un jeu. Puisque, en fait, là, vous allez voir un peu, je fais pas encore de commentaires sur la cinématique du début. Il s'agit d'une grande épopée où le but sera de combattre 16 colosses, tous aussi puissants les uns que les autres, et c'est le seul but du jeu, de l'exploration, du combat de colosses. Et il n'y a absolument aucun autre ennemi, c'est du combat de boss à la chaîne, entrecoupé par beaucoup d'exploration. Mais franchement, je vous le dis, c'est le genre de jeu où il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'il est tellement magnifique, que ce soit en graphisme, et toujours aussi beau. Les musiques sont impressionnantes, les décors sont vastes, puis l'histoire est tellement bien menée, même si on a très peu d'informations dessus. Donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne, et moi je vais pouvoir reprofiter des cinématiques du jeu en HD pour la première fois. Alors on va se lancer, et je vais me taire pour cette cinématique.
as you hic aurel yet for all ikudu ibi kuka yulb zolu ayonbu yulilo kok ay yuzi yula kol doloya olik olazulam kos il zozeriku atzoko Amnos Cluedo, Laomism Wok, was you and the Ulas also, view houses is good. Ikolal Kizado, you Lola, Islis was I, Aumiz Quikio, you are Lola Quika. I will kill you. Alu Diklik, if the least do is. Wasongo is all you know. Yehaka Ous is all Aunagoku. You echo you, Edolish no Ku. Our pet? I was the guilty squad, not even his, not for us. On the zones around us, I were confused. Ayo was after he was dead. He were confused. No one. You do. You bet, Zanada. Uku, I hope was no suit. Oh, you're mere kind of stuff. Was you're mere
Et nous y voilà. Donc vous avez pu le voir, c'est quand même très impressionnant dès le début. Le jeu se veut avant tout très poétique, vraiment épique. Alors scénario très simple, c'est une noble quête. Si c'est juste pour me dire ça, c'était pas la peine de m'interrompre. Le jeune Wanda, parce que si on lit pas le manuel, on connaît pas les noms. C'est le héros qui a ramené cette fille qu'il connaît sûrement un petit peu, qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appelle Mono. Qui visiblement a été sacrifiée parce qu'elle était maudite. Donc il l'a ramenée ici et a pénétré sur ces terres interdites dont le seul accès est le pont qu'on a vu au début. Donc là nous sommes un peu piégés vu qu'il est impossible de rebrousser chemin. Je me refais face un peu aux commandes. Et le cheval s'appelle Agro. Voilà, dès qu'il l'appelle, on entend. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le jeu? Je monte vite fait l'équipement. Alors, nous avons nos mains pour grimper, une épée magique, qui est une épée sacrée que cette entité Dormine a reconnue sur le champ, visiblement, qui est pratique vu qu'on peut, avec ça, refléter la lumière du soleil et savoir où il faut aller. Et on a un arc. Même principe que Tomb Raider ou Devil May Cry, hein, munitions illimitées. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je veux juste que je tue ce truc. Vous voyez, j'ai une barre rouge, c'est la barre de vie. Et la barre violette, voilà, c'est la barre, la barre rose, c'est la barre d'endurance. Et si on veut l'augmenter, il faut tuer ces lézards à queue blanche et prendre leur queue. Ça augmente très sensiblement la barre d'endurance parce qu'elle est indispensable. C'est dès qu'on maintient une flèche, ça utilise de la barre d'endurance, mais surtout quand on grimpe, parce qu'il faut beaucoup grimper dans ce jeu. Alors, donc, il pénètre sur ces terres interdites et va déposer le corps sans vie de cette fille sur cet autel. Et invoque cette entité qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appelle Dormine, qui est assez étrange car il ou eux parle de lui au pluriel, c'est assez étrange. Et donc il accepte notre demande de ramener cette jeune fille à la vie, mais pour ça il faut lui rendre un service, détruire ses statues, et pour ça il faut tuer les 16 colosses qui correspondent. Je vais pas tout vous les montrer, vous les verrez au fur et à mesure. Alors on va commencer, on va appeler Agro. Voilà. Donc à la base, le premier jeu qui est sorti par ce studio, c'était Ico, qui est disponible dans la version PS3 aussi que j'ai acheté. Il y a les deux, Ico et Shadow of the Colossus. Celui-là est sorti après Shadow of the Colossus, et en fait dans Ico, c'est exactement le même univers. Ça se passe après visiblement. Shadow of the Colossus est plus un préquel de Ico. Enfin, regardez ça, c'est gigantesque, et en plus on peut aller partout, enfin si on a la foi d'escalader. Le jeu est immense, on se rend pas bien compte au début, mais sur le papier ça ressemble pas à grand chose, mais je vous jure que le monde est immense. Donc Ico, c'est un jeune garçon qui est banni de son village car il est né avec des cornes et tous les enfants à cornes sont considérés comme maudits. Donc il est banni pour, comme tous les enfants à cornes, il est banni dans une sorte de temple sur une île, si je me souviens bien, et enfermé dans un sarcophage de pierre et condamné à y rester. Mais sauf qu'il arrive à sortir, je vais descendre un peu pour parler, logique. Et donc il essaie de sortir de cet endroit, et sur sa route il croise le seul être encore vivant dans ce château, c'est une jeune fille qui ne parle pas sa langue, et une jeune fille enfermée, toute blanche, qui ne parle pas sa langue, je me répète. Et donc il va aller pour survivre, et ils vont s'entraider, il va vouloir l'aider à s'échapper, mais il y a des espèces d'entités noires, d'ombres, qui veulent absolument rapporter la fille dans les ténèbres. Et donc d'ailleurs ces ombres ressemblent très grandement aux ombres qu'on a vues, qui sont attaqués à Wanda au début. Alors, on va commencer. Alors, pour augmenter la barre d'endurance, faut tuer des lézards.
Et pour augmenter sa barre de vie, il faut ramasser des fruits qu'on trouve sur ces arbres là. Alors, il y en a toujours plusieurs en général, il me semble. Alors, je tiens à préciser, je suis très méfiant de base sur les remakes HD sur PS3. Quand j'ai un jeu PS2 qui marche bien, bah, je me contente de ça, c'est parfait. Je suis toujours un peu réticent. Mais sauf que là, franchement, faut avouer, j'ai rejoué, j'ai même fait une première partie sur la version PS2. Et faut avouer qu'avec les ralentissements et l'accumulation de pixels qui fait un peu fouillis ou comment dire, qui sature un peu, ça fait un peu mal aux yeux, je trouve, au final. Et vu que ce remake HD, j'ai vu des comparaisons, ils se sont pas foutus de nous, il est franchement magnifique, zéro ralentissement, rien. Et merde, on m'appelle. Oui, donc excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Merde. Ah oui, je suis assez réticent des versions PS3, mais là, franchement, ce remake-là, ils se sont pas foutus de nous, c'est très agréable à voir. Et au moins, on va pouvoir passer un super moment. Et en plus, ça tombait bien parce que j'avais jamais joué à Ico, c'est limite un crime, visiblement, c'est autant un classique que Shadow of the Colossus. Et donc, il fallait absolument que je le teste aussi. Donc là, c'est l'occasion. Alors, on va commencer, on va se diriger vers le premier colosse. Pas très impressionnant. Enfin, si, quand même impressionnant, c'est un colosse, mais franchement pas compliqué, c'est... Bah, c'est le premier boss pour bien se mettre en jambe, quoi, c'est... Il fallait bien un premier colosse, bah c'est lui. Oula. Alors, tout se base sur l'escalade. Hop, hop. Franchement, si un jour vous avez l'occasion, si vous avez la chance de trouver une version PS2, jetez-vous dessus. Ou vous pouvez vous rabattre sur la version PS3, là je vous la recommande. Qu'au tout début, mais elle est quand même magnifique pour tester ce fabuleux jeu, parce que passer à côté d'une perle pareille, mais c'est tellement dommage. Franchement, c'est tellement dommage. Oula, R1, ouais. Oui, ça fait une éternité que j'ai pas joué, donc excusez-moi, faut que je me réhabitue un peu aux commandes. Et depuis le temps, quand même, vous me connaissez, donc je suis un grand habitué des epic fails sur mes vidéos, donc vous étonnez pas si je foire complètement mes actions dans le jeu. Ça promet. Alors, j'ai pas montré, mais aussi on peut changer la. Enfin, on peut bouger la caméra pendant la cinématique, mais celle du début, j'y touche jamais. On touche pas à la cinématique du début de ce jeu. Attends, c'est fluide, c'est tellement agréable. Juste voir un arrière-plan si on peut. Putain. Une telle impression de profondeur, c'est génial. Allez, attendez-vous à du grandiose pour ce combat. Là, on peut bouger la caméra. Regardez-moi cette bestiole qu'on va affronter. Et là, en fait, tout est fait dans le jeu pour vous montrer à quel point vous êtes vulnérable. Regardez la taille par rapport à Wanda. Vous prenez un coup, vous prenez très cher dans votre barre de vie. Alors, on va essayer de l'attirer un peu. Hey, hey Apple, hey, hey. Non, ça lui a rien fait. On ne sait pas trop ce que c'est, ces colosses, c'est à moitié animal, à moitié humanoïde. Enfin, ça fait humanoïde, animal et à moitié statue. On sait pas trop ce qu'on combat, si c'est un demi-dieu ou quoi. D'ailleurs, on sait pas si... Il a pas le droit d'être là, Wanda. On sait pas si en quelque chose c'est un outrage au dieu qu'il fait, si c'est grave de tuer ses créatures. Pour son simple bonheur, on va dire, entre guillemets. Regardez un peu ce truc qui arrive. Je vais le laisser m'attaquer une fois sans me faire mal. Juste pour vous voyez la puissance des coups. Voilà. Merde, je voulais qu'il fasse un coup de massue. Tant pis. Bon, les flèches, ça lui fait rien. Par contre, il est pas content, ça se voit. Faut faire gaffe, parce que au moindre coup qu'il fout par terre, ça fait une onde de choc qui fout Wanda par terre. Ouf. Là, si j'étais plus près, je me prenais carrément des dégâts de l'onde de choc. Bah, je peux juste l'énerver un peu. Juste qu'il attaque à la masse, que vous voyez un peu le... comme c'est impressionnant quand il fout un coup de masse. Et la Dormine a donné une petite indication. Et en fait, dans les combats de colosses, ça se fera plus après. Mais regardez ça. Non, bon, c'est pas grave. Lorsque le combat dure trop longtemps, entre guillemets, Dormine intervient et nous donne un petit conseil. Enfin, une petite astuce, entre guillemets, pour nous éclairer sur où est son point faible. Là, à tout moment, on peut utiliser l'épée pour voir où se situe le point faible. Là, c'est à sa jambe gauche. Oula, attendez. Oh, là, on va se barrer, on va se barrer, on va se barrer. Putain. Les mouvements sont très lents, mais on sent que ça fait très mal. Bon allez, fini de discutailler là. On va se le faire. Bon. Alors, derrière la jambe gauche. Un petit point faible là. Oh, oh.
Au moindre mouvement, ça fait chavirer Wanda. On voit à quel point on est fragile. Hop là. Et encore un petit peu. Regardez la barre d'endurance, elle baisse très rapidement quand même. Hein. Et en... ah, les flèches sont toujours là. En fait, sur le corps du colosse, il y a toujours plusieurs... Merde. Il y a toujours plusieurs marques, comme des marques lumineuses en fait. Et ce sont les points faibles du colosse. En général, sur un colosse, il y en a deux ou trois. Mais là, c'est le tout premier, donc il n'y en a qu'une. Et en général, c'est situé sur sa tête. Allez. Oula. Alors, on s'agrippe sur son... Voilà. L'autre, il est pas content, on lui tire les poils du... Hein. Des espèces de rebords sur lui. C'est pour ça qu'on dirait qu'on grimpe à un édifice ou un animal, on sait pas trop. Putain, la barre d'endurance. Allez, monte. Petit. Et là, on va pouvoir se reposer un peu. Entre guillemets, parce que là, c'est pas comme si on était à l'abri en même temps. Oh. Faut vraiment faire gaffe dans ce jeu, on tombe très très facilement. Et je peux vous dire que le colosse, dès qu'il vous est en face de lui, il cherche pas, hein, il attaque. Oh, oh. Allez, c'est parti. À l'assaut du colosse. Attention. Oh, oh. Faut se tenir. Voilà, la marque la voilà, sur sa tête comme je le disais. Celui-là va mourir très rapidement, hein. Il est facile comme colosse. Ouais, par contre, il se débat un petit peu. Wow. Limite, il devrait se foutre un coup de masse sur la tête s'il veut vraiment nous avoir. Oh. Allez. Ah putain. Ouais, c'est pas facile parce qu'au moindre mouvement du colosse, nous on chavire, mais totalement quoi. Carrément. Par contre, je vais. Repoudre sur son dos parce que là on perd quand même pas mal d'endurance. Voilà. Putain, il y a un aigle qui. Il y a des aigles qui nous suivent quoi. Ah, un peu à côté. Il faut charger au maximum. Mais le problème c'est que l'autre il bouge en même temps. En plus, on sait pas ce que c'est parce qu'il y a du sang noir qui sort. En... On sait pas si c'est une créature maudite ou un. Un truc sacré ou une bête sacrée. Allez. Et un petit dernier pour Mono. Voilà. À terre le colosse. Ah, j'ai retrouvé le bouton du zoom. Là on peut zoomer comme ça. Il détruit complètement le sol quand il tombe. On sent qu'il est lourd, qu'il est vraiment puissant. Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on tue un colosse, regardez. Son corps devient noir et ces espèces de tentacules qui sortent et qui vont rentrer dans Wanda. Voilà, on arrête de déconner. Et on ne peut absolument pas y échapper. A chaque fois, il tombe dans les pommes et ça nous ramène au temple. Là, je vous préviens, hein, c'est le tout premier colosse. Il est. Ouais, pas passionnant non plus, même s'il est impressionnant. Tiens, c'est vrai que je suis sur PS3, maintenant je vais avoir des succès. Ah, j'aurais bien voulu avoir une sauvegarde pour un colosse à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez, on sauvegarde. C'est le moins impressionnant de tous, ce colosse. Attendez-vous à du très lourd après. J'ai eu peur là. De retour au temple. À chaque fois qu'on tue un colosse, il y a une ombre noire qui apparaît. Comme un esprit déchu du colosse, on sait pas.
Et à chaque fois qu'on tue un colosse, Dormin nous indique quelle est notre prochaine cible. Et voilà. Et à tout moment, il existe dans le jeu un mode time attack. Oula. Où pour le... En fait, si on retourne au cadavre d'un colosse, on peut le recombattre. Et sinon, il suffit de s'agenouiller au pied d'une... Qu'est-ce qu'il fait, gros? D'une statue détruite pour faire le mode time attack. Et si on le termine dans les temps, à chaque fois, on gagne un objet bonus. En mode normal et difficile, bien sûr. Donc ça, c'était le premier colosse. Est-ce qu'il y a encore un lézard là? Oui, non. Non, ils ne réapparaissent pas les lézards. Tiens, je vais tirer sur Dormin. Sinon, je vais me prendre un éclair sur la gueule si ça continue. On n'emmerde pas les dieux, surtout ceux-là qu'on n'a jamais entendu parler, qui sont bannis dans des terres interdites. Parce que finalement, on est sur des terres interdites et ce. On se demande finalement, c'est... est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison à ça? Pourquoi ces terres sont vraiment interdites? Je n'en dirai pas plus. Alors, pour sauvegarder, il y a ces espèces de monuments. Hôtel, autant pour moi. Alors on va sauvegarder et moi je vais m'arrêter là pour la première vidéo, c'est déjà pas mal, un colosse. Bon là on a perdu quand même beaucoup de temps avec les deux cinématiques du début. Et après les vidéos seront bien plus rapides. Hein. Je pense pas faire un colosse par vidéo. Enfin, on verra bien. Et ça c'est fait. Oula, petit ralentissement, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, les sauvegardes ont un peu de mal sur ce jeu. Enfin sur la version PS3, les sauvegardes ont du mal. Voilà, le jeu est comme ça normalement, avec ce genre de ralentissement. Sur la version PS2. Voilà, et là c'est fluide. Et voilà, c'est fait. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné envie de voir la suite, parce que vraiment, ça c'est rien comparé à ce qui va suivre. Après, on a du lourd, du très très lourd. Donc j'espère que ça vous a donné envie de voir la suite. Tenez, à chaque fois qu'on tue un colosse, il y a une colonne de lumière qui s'échappe de son corps et qui revient au temple, je crois. Donc voilà. Allez, bon, moi je vais vous laisser là et je vous poste la suite rapidement. À plus.